Hello, hello à tous, bienvenue à toute l'équipe du mercredi, comme le dit si bien Corbion Laurie, alias Nelwax. D'ailleurs, tu t'appelles pas Nelwax, Corbion Laurie, il me semblait que tu t'appelais Nelwax sur YouTube, mais en fait non, t'as gardé ton vieux pseudo. Bref, je m'égare déjà. Salut Fadek, salut Adrien, salut Philippe B, salut Anthony, Otinga, ça fait longtemps. May Barclay, Nelwax, Docteur T, Bugsy, Georges, bonjour, Maxime Corsair, hello everybody, Minasa Kombawa. Bah écoute, Minasa Kombawa, à toi aussi. Jeriakostro, où le titre est prometteur, je verrai ça en différé. Bah écoute, je vais essayer d'être à la hauteur du titre. C'est pas forcément gagné, mais on va essayer. Donc bah à bientôt en replay. T'es connecté sur un autre compte, d'accord, c'est pour ça. Il me semblait bien que tu t'appelais Nelwax. Voilà, heureusement que je suis un peu vos pseudos, hein, sinon ce serait le bordel. Salut, salut Tommy. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien. Que vous passez éventuellement de bonnes vacances si vous avez des vacances ou que vous passez de mauvaises vacances si vous n'avez pas de vacances. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez la pêche. Ici à Nice, pour vous dire, il y a un temps de merde, il pleut. Donc, c'est un temps à rester dans un studio et ça tombe bien puisque j'y suis. Voilà, alors aujourd'hui, titre prometteur, en effet. On va. Alors deux choses avant de commencer. Déjà, j'ai mis. En fait, quand je parle, là, j'ai un retour casque en direct de ma voix. Et j'ai beaucoup de mal à parler en m'entendant. Donc je vais essayer de le faire un peu. Si ça me gave, je coupe. Mais ça me permet justement de savoir si je suis pas trop fort. Parce que des fois, quand je mets le son sur live, c'est un peu plus fort que ma voix. Et c'est vrai que le fait d'entendre les deux, c'est pas mal. Mais c'est une habitude à prendre et moi, j'arrive pas à l'apprendre. Deuxième chose, j'espère que le Streamlabs ne va pas bugger comme à peu près tous les lives en ce moment. J'ai envoyé un petit mail à Streamlabs pour dire que ça buguait, que c'était compliqué. Puisqu'en fait, en gros, je peux pas changer de scène. Vous voyez, quand je fais ça, là. Ou que j'envoie le générique. Bref, et bah le truc bloque complètement et je peux plus changer de chaîne. Donc si jamais je bloque comme ça et que je veux vous raconter quelque chose sur live, bah je peux plus le faire. Donc ils m'ont répondu très rapidement d'ailleurs en me disant de surveiller ma mémoire. Donc j'ai un œil sur ma mémoire parce qu'apparemment il y avait une saturation de mémoire. Donc j'ai un œil sur ma mémoire pour voir si c'est ça ou pas. Voilà. Nous aussi ça nous gave de t'entendre. Mais je sais, à chaque fois je le dis. Je sais pas comment vous faites pour m'écouter parler parce que moi je ne me supporte pas. Merci Maxime. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. On est là pour la bonne bouche et pour le calembour ici, tout le monde le sait. Voilà, donc alors c'est parti. Donc aujourd'hui, on va. Attendez, je me remets comme ça. Aujourd'hui, on va profiter de la prod des abonnés pour parler de ce sujet-là, puisque je me suis dit, tant qu'à faire, du nettoyage de mon côté tout seul dans mon coin, eh bien autant le faire ensemble et puis surtout en profiter pour vous montrer des tips, des techniques et puis surtout pour en parler entre nous. Et puis pour poser vos questions, n'hésitez pas justement à me dire là où vous coincez, comment vous avez du mal à faire du ménage dans votre prod. Bon, je vais vous expliquer déjà un petit peu le concept de ménage pour moi qu'on va aborder aujourd'hui. Mais je pensais que la prod des abonnés était un bon exercice puisque c'était un peu le but. C'était le but de commencer à proder ensemble et puis après de faire donc l'arrangement, le mix, le mastering, de distribuer tout ça. Et donc il y a une étape qui est importante, c'est l'étape du nettoyage. Et le projet s'y prête bien puisque ce projet est tout à fait bordélique pour deux raisons. C'est que déjà, moi, je le suis. Déjà, j'ai du mal à classer mes pistes et puis je mets beaucoup de choses et je me soigne pour pas essayer de trop charger. Mais la deuxième chose aussi, c'est que le but de l'exercice était que tout le monde m'envoie des extraits, enfin des pistes MIDI ou de l'audio, des boucles audio que vous avez fait tranquillement chez vous. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec beaucoup de choses et forcément avec beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place. Donc on se retrouve avec une prod qui est quand même assez chargée. Et je trouvais que c'était un bon exemple d'essayer de défricher tout ça et de voir comment on va réussir à s'en sortir avec cette prod tout en essayant de garder quand même, entre guillemets, le maximum de choses possibles. Parce que là, on est dans un cas un peu différent, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé. Moi, j'aimerais bien laisser tout le monde, mais on va pas pouvoir, hein. Mais c'est pas comme si c'était mes tracks à moi, enfin mes pistes à moi. Donc, je suis un peu plus réticent à les supprimer que d'habitude, ce qui fait que ça complique un peu le truc. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc bah, la prod des abonnés, on l'a commencé l'année dernière. On était parti sur une. Alors moi, j'avais envoyé. Je fais un petit résumé très rapide. J'avais envoyé en fait des fichiers MIDI
Donc une progression harmonique, voilà, qui est ici, couplet, refrain, j'avais donné des directives comme, on va dire, comme fil rouge, on s'était donné une musique de Sébastien, pour être, parce que c'est Sébastien, la musique que j'avais pris en exemple, était un peu hybride, il y avait un peu l'électro, un peu de rock, un peu de hip-hop, de la voix, c'était un gros mélange de plein de choses, ça marchait super bien, et je trouvais que c'était pas mal, parce que le but, c'est, je voulais pas qu'on s'enferme dans quelque chose de techno ou électro, et d'essayer de faire participer tout le monde, voilà, parce que tout le monde ici sur la chaîne n'est pas adepte de techno ou autre. Donc voilà, et donc bah, à partir de ça, bon, moi j'avais commencé à construire quelques petites choses, j'avais mis des sons, etc. Et on a commencé à bricoler, et vous voyez que ça donne un gros projet comme ça, qui est tout à fait mal rangé, et avec beaucoup de choses. Donc on va essayer de défricher tout ça tout de suite. Alors je regarde vos commentaires, et n'hésitez pas aussi à poser vos questions, parce que c'est bien le but de l'exercice, c'est aussi de vous aider dans vos problèmes, puisqu'on est en direct, sinon ça sert à rien. Le bordel c'est la vie, ou la vie c'est le bordel, tu sais plus. C'est un peu des deux à mon avis. Voilà, bon, je vois un petit peu. J'aurais pu d'ailleurs d'abord vous lancer la prod et après boire, ça aurait été plus intelligent. Donc ce que je vais faire, alors oui, depuis la semaine dernière, c'est ça, la semaine dernière, je vous ai montré la prod telle qu'elle était et je vous ai dit, il manque une voix, pour moi, il manque vraiment une voix. Donc j'ai cherché dans toutes mes banques de sons, de samples et de sons et d'acapella et compagnie des voix. J'ai essayé plein de trucs, franchement, j'ai passé pas mal de temps. Il n'y avait pas grand-chose qui marchait. Pourquoi? Parce que ben, je vous en parle après aussi, pourquoi ça c'est compliqué de mettre une voix à ce stade-là. Mais en tout cas, c'était très dur de trouver quelque chose, parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué de trouver un chanteur, parce que personne n'a l'air de connaître un chanteur ou une chanteuse dans son entourage qui pourrait se prêter à l'exercice. J'ai pas trop envie de faire beau, enfin d'aller chercher un chanteur sur Fiverr, parce que le but c'était de faire un truc entre nous. Donc bon, ça serait pas forcément très logique de le faire. Puis je pense que ça va être compliqué avant de trouver quelque chose de bien. Et enfin, pas compliqué, mais bon, bref, voilà, il va falloir y passer du temps et de l'argent, et donc bah, j'ai essayé de mettre de la voix, et finalement, à force de chercher, de trifouiller et d'arranger, j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, passe pas trop mal. Je dis pas que c'est la voix idéale, loin de là, mais si on trouve rien de mieux, entre guillemets, peut-être que ça peut inspirer quelqu'un, par contre, et que ça peut faire une sorte de top line, enfin, entre guillemets, du yaourt. Alors là, c'est en anglais, hein, c'est du vrai anglais, mais c'est comme ça qu'on fait, hein, en production. Quelqu'un va aller faire du yaourt, aussi bien le producteur que le chanteur, va aller chanter en yaourt, et en fonction de ce yaourt, après, on affine, on voit si c'est OK, et si le yaourt a du groove et que ça passe, c'est que ça va avec la track, on peut aller jusqu'à l'étape d'écrire les paroles et après de les chanter, de les enregistrer. Bon, tout le monde ne fait pas comme ça, il y en a qui démarrent directement avec un texte, parce qu'ils commencent par écrire un texte et après ils le chantent. Mais voilà, il y a deux méthodes. Moi, je suis plus de cette méthode-là, de chanter en yaourt pour avoir un gimmick et une mélodie. Et après, une fois que la mélodie a été trouvée, bah, on valide. Et puis, une fois que c'est validé, on écrit. Parce que si là, on commence à écrire, alors que finalement, la mélodie va pas et que la voix va pas, bah, on a fait tout ça pour rien. Donc voilà, je vous fais écouter tout ça avec la voix. Vous allez me dire, pour ceux qui n'étaient pas sur le Discord, ce que vous en pensez, si ça match ou si ça match pas ou si ça va pas du tout. Et après, on avise. Et après, on parle du concept de nettoyage. Et justement, en écoutant la prod, on va voir pourquoi ça a besoin. C'est parti, je vire juste une piste. Ouais, c'est bon, elle est virée. Allez, c'est parti, je vous refais écouter tout ça. Thank you.
Alors voilà le bordel. Donc vous voyez, c'est quand même très 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 chargé. Dans l'état, ça va pas du tout. Ça donne une bonne idée de la maquette et de ce que ça pourrait être, mais là c'est pas possible. On va pas pouvoir tout garder. Alors Adrien, tu as l'oreille, bravo, puisque il y avait sur le Discord quelqu'un qui m'a dit que la voix mériterait d'être plus grave. Donc je me suis amusé. Enfin, j'ai essayé tout à l'heure de faire ça. Et tu vois, j'ai mis un juste. En fait, j'ai baissé les formants. Hein, c'est une technique tout con. On n'est pas obligé de le faire avec le Little Art Health. Alter Boy d'ailleurs, mais bon, il marche bien. Et en fait, j'ai rajouté, tu vois ça. Voilà, ce qui fait que ça donne une voix un petit peu moins pop, une voix un peu plus tech house, un peu plus peut-être urbaine, un peu plus grave, un peu plus saturée. Mais le problème, c'est qu'elle rentre encore moins bien dans le mix parce que là, le fait qu'elle soit un peu plus aiguë, ça l'aidait à percer un peu plus. Et là, c'est vrai que avec ça, je trouve que c'est moins bien. Mais en tout cas, j'ai fait exprès de le laisser pour voir si quelqu'un réagissait. Et donc, tu as réagi, bravo. Moi, je trouve que c'est moins bien. Donc, la voix, je pense qu'il faut la laisser plus ou moins assez formant. Je vous fais juste écouter avec. Avec les formants ici et sans les formants. Alors, il y a le du coup les accords qui sont pas partis. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est bon. Voilà, bon, je sais pas si vous avez entendu. En tout cas, moi, je ne supporte pas de m'entendre parler. Je coupe le micro, voilà. Enfin, je coupe mon micro. Avec les forbans. Si Motoki, tu sors. C'est basket. Alors, donc voilà. Donc, voici pour la voix. Je sais pas si. Je sais pas si ça vous plaît. Alors tu me dis, changer le pitch de la voix du couplet, bizarre. Ok, donc en effet, on est d'accord. Sur le refrain, ça va. Alors sur le refrain, je l'ai pas changé, donc c'est pour ça que ça va en fait. Ça commence à prendre forme quand même. Ok, j'aime bien la guitare à Brian May. Oui, c'est bien Brian May. Pas ultra convaincu. Tu parles des forbans, hein, j'imagine. Donc non plus. J'allais dire que le souci de la voix sur les couplets, c'est qu'elle est sur la même tessiture que les synthés. Oui, alors tout ça, voilà, ça va faire partie un peu de ça. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas du tout du mix. On n'est pas là pour mixer. On n'est pas là pour faire du nettoyage d'un point de vue du mix, c'est-à-dire de faire emboîter les choses entre elles, bien que tout cela est quand même très lié. Parce que quand on est en stade de production, on va essayer quand même déjà de réfléchir à se faciliter la vie au mix et donc aussi au mastering et tout ça. Et on va essayer de trouver des instruments déjà qui collent ensemble. Et puis une fois qu'ils collent ensemble, d'essayer de faire en sorte qu'ils jouent dans les bonnes notes, etc. pour pas que ça se marche dessus. Donc, on va pas faire du mix à proprement dit, mais ça va grandement améliorer l'étape de mix finalement. Donc, tout ça est un peu lié, comme je vous disais. Mais ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est de voir ce qu'on peut faire en fait pour dégager des choses et quelles seront les techniques de production, et donc pas de mix, qui vont nous permettre d'essayer de faire un peu du ménage là-dedans. Donc, c'est parti. Déjà, est-ce que vous avez ce problème chez vous? Franchement, le refrain est bien. Le couplet, il y a plus de boulot à mon avis. Après, c'est vrai que comment dire, le couplet, je trouve que ça parle quand même vite et beaucoup. J'ai dû pitcher la voix x2 parce que sinon, elle n'était pas du tout comme ça. Si je la remets comme elle était de base, elle était à 75, je crois. Je vais la remettre pour vous faire écouter ce que ça donne. C'est pas terrible. Non, c'est l'inverse. Bon, là elle est pas calée, mais en gros, parce qu'il faudrait que je la recale du coup, mais en gros le flow était comme ça, un truc très très lent, et du coup ça rendait que la track était vraiment encore plus lente et un peu molle, et c'était pas joli. Donc du coup je l'accélère en x2, mais le problème c'est que du coup ça parle quand même beaucoup et très vite. Ce qui fait, et on arrive au premier point, c'est que la voix prend de la place, et c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de fonctionner comme ça, c'est-à-dire de choisir une voix une fois que la prod a été finie. Mais bon, là, c'était l'exercice de la prod des abonnés un petit peu qui voulait ça, puisque on se retrouve coincé, parce que
En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire une instru vraiment très basique, plaquer des accords, et tout de suite, on va commencer à chercher une voix. Et une fois que la voix a été trouvée, on fait du yaourt, pour répondre à je sais pas qui, à Sumotoki, un texte à base de yaourt, tout à fait, bulgare, s'il vous plaît. Et on va aller tout de suite commencer à poser la voix dans l'instru, parce que vu que la voix, c'est l'instrument lead, donc l'instrument principal, tout va s'articuler autour. Et on va faire nos choix des instruments et de notes et d'accords et de sound design, de ce que vous voulez. On va faire nos choix en fonction du lead, donc de la voix. Et là, le problème, c'est que on a rempli, rempli, rempli la prod. Et là, je dis, je veux rajouter une voix. Donc la voix, elle rentre pas. Ça va pas parce qu'elle n'a pas la place du tout et il y a des trucs qui coincent. Donc c'est le premier problème, c'est ça, c'est que voilà, la voix a du mal à rentrer. Plutôt que d'aller essayer comme un bourrin de forcer sur la voix et de mettre des coups d'EQ en disant ah putain je comprends pas ça rentre, je vais aller mettre un EQ, je vais aller mettre plus d'aigus, je vais la saturer, je vais la compresser, je vais monter le volume. Elle va pas rentrer au chausse-pied cette voix. Donc il va falloir user de malice pour essayer de la faire rentrer, non seulement en faisant de la place, mais aussi en virant des choses qui du coup sont plus nécessaires. Et justement, c'est là où je viens au synthé que j'avais rajouté moi, qui est ici, la fameuse arpège qui était faite avec le P900. Alors je vais couper la voix. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai exporté la track juste avant. Je l'ai mise ici dans le adapteur de Metric AB, qui est un outil totalement indispensable. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai exporté juste avant de l'émission. Comme ça, on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on avance, comparer ce qu'on fait, voir si on est OK, logiquement oui, on pourra surtout constater les améliorations. Donc vous voyez ici, quand c'est bleu, c'est live qui tourne, quand c'est orange, c'est l'audio que j'ai printé avant la prod. Donc si je relance la lecture. Alors par contre, il y a un truc qui s'est arrêté, mais je sais pas quoi. Parce que là, il y a quand même un son en moins, je sais pas d'où. Ah bah oui, il n'y a pas les basses, forcément. Si je mets pas les basses, ça fait comme un trou. Et il n'y a pas le Moog, voilà. Donc forcément, j'avais coupé des trucs juste avant sans faire gaffe. Voilà, là on se retrouve avec le même mix, ok? Donc, le synthé qui est ici. Le P900 que j'avais rajouté parce que pour moi il manquait quelque chose, ça faisait trop instru et donc il manquait un lead. Je me suis dit bon, je vais essayer de voir avec un son arpégié, un Moog bien bien gras et bien riche. En l'occurrence le P900, je vous le remonte, il est ici. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez rempli, d'assez dense pour essayer de caler le trou qui manquait et de faire quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on a demandé une mélodie qui est ici. La mélodie, elle est où? Elle est ici, elle est là, la mélodie. Vous la faites écouter. Alors là, je l'ai faite au violon, du coup, parce que on avait mis un son ici qui était comme ça. Ok, et là c'était bien parce que elle faisait un peu le rôle, pas d'un chanteur je vais dire, mais en tout cas elle donnait une mélodie et puis comme s'il y avait des notes qui allaient percer un peu le mix et qui allaient remplir tout ça. Donc du coup pourquoi pas. Je vous fais écouter justement ça sans la voix et avec le synthé, le P900. Et là, on voit bien que si je rajoute la voix, bah, ça marche pas du tout et j'ai vraiment des trucs en trop. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que le P900, il dégage, en fait, tout simplement parce qu'il a plus du tout sa raison d'être, même si j'ai passé du temps, que je suis content du son, que je trouve qu'il marche bien. Et bah, donc, il faut ravaler sa fierté et se dire que c'est pas grave, on a bossé pendant une après-midi pour rien et on le fout à la corbeille. Donc là, ce synthélite, je vous le fais écouter tout seul. Voilà, en plus j'ai mis une tonne de délai évidemment. Je l'ai saturé. Etc.
sexe, etc. Donc d'ailleurs, si j'enlève le délai, je pourrais me dire, ça peut être aussi une technique hein, de nettoyage, c'est de dire, de faire attention. De toute façon, je vous ferai un résumé parce que j'ai tout noté, mais là, je vais un peu dans tous les sens parce que bon, c'est ce qui vient, je vous dis ce qui vient. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'il faut, enfin, ça doit être quelque chose qu'il faut regarder. C'est est-ce que j'ai pas trop mis de délai, est-ce que j'ai pas trop mis de réverb, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réverb continu un peu dégueulasse en fond qui fait que tout cela est un peu fouillis. Souvent, je reçois des mix en mastering où la réverb est un peu abusée, où le délai est abusé. Et en fait, c'est tellement mélangé, tellement vaporeux que ça donne un truc, voilà, un petit peu, j'allais pas dire inaudible, mais qu'on a du mal à définir. Et surtout, ça donne un truc derrière dans la prod qui fout le bordel et qui apporte strictement rien. Donc attention au réverb et attention au délai. Et ça, c'est à tous les étages, puisque par exemple, dans le P900, il y a une réverb et un délai qui est intégré. Donc dans les synthés, il faut faire attention quand vous prenez un preset pigment et qu'il est blindé de réverb, blindé de délai parce qu'il est très joli et parce que tout seul il sonne très bien, bah, il faut dire ah bah là il y a trop de réverb, trop de délai, je commence à en enlever. Surtout qu'on peut avoir tendance à en rajouter après en rajoutant un plugin, puis après encore en ajoutant les auxiliaires, etc. Donc on peut essayer, on va dire bon allez, peut-être que le délai finalement c'était pas nécessaire, on va voir si sans délai ça marche. On va se mettre là. Hop. Donc non, ça marche pas parce que finalement la mélodie elle devient à chier quoi. En fait le délai donnait vraiment un côté synthé, d'ailleurs l'excellent délai de live donnait un peu une richesse à ce synthé, puis un côté un petit peu voilà diffus et groovy puisqu'il rajoute des notes là où il y en a pas. Je vous fais écouter avec et sans. Voilà, du coup, là, c'est comme une ligne de basse un peu foireuse, elle a plus vraiment d'intérêt et ça marche pas. Donc, vous voyez que cette piste-là, hop, on la jarde, donc on garde pas le P900. Donc, on fait de la place. Donc déjà, il y a de la place pour la voix. Un peu plus, en tout cas. En ce qui concerne cette mélodie qui est ici, là, il faut se poser une question et se dire, est-ce que cette mélodie, elle est importante? Et est-ce qu'elle marche avec la voix? Est-ce qu'elle marche de manière, on va dire, au niveau de manière artistique? Mais aussi, est-ce qu'elle marche au niveau harmonique? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit? Est-ce que tout ça est OK? Bon, on verra après aussi comment régler aussi certains conflits. Parce que même si les conflits, on va essayer de les régler au mix, il faut déjà les avoir dans la tête, même avant de choisir un son. Quand vous choisissez un son, il faut l'imaginer quand vous prenez ici. Alors le mieux, c'est de prendre un Pro Q3 si vous l'avez, hein, parce que bon, c'est un peu plus clair. Mais je vais le mettre comme ça. Voilà, ça, je vous le monte après hein, pour ceux qui connaissent pas, mais voilà. Là, je vois bien quand même que mon son joue vers ici. On va dire principalement entre 500 et 1 kilo. Après, évidemment, il y a des harmoniques, hein, comme toujours, mais je vois qu'il n'y a rien en bas et qui joue là. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va marcher avec la voix, oui ou non? Et est-ce que la mélodie est nécessaire? Okay. Donc, si j'écoute la mélodie juste avec la voix et la mélodie, est-ce que c'est utile? Là, je vois que finalement, la mélodie, elle était cool toute seule et le délai donnait un groove sympa. Mais là, le délai, il fout le bordel avec la voix. Donc, on va pareil, on va dire, est-ce que ce délai, on va pas essayer de le supprimer? Donc, on va dans FX, on va dans délai ici. Vous voyez que le dry wet, là, il y a 50%. On va carrément le virer, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux puisque bah, ça se mélange un peu moins, ça donne un peu trop, enfin ça donne moins l'impression de bordel et de groove qui marche pas. Mais finalement, je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin d'une mélodie comme ça si forte et si impactante en plus de la voix? Peut-être pas.
Et c'est pour ça qu'en fait j'ai essayé, pour l'instant j'ai pas réussi parce que j'ai pas cherché très longtemps, mais j'ai essayé de changer cette mélodie et voyez, plutôt que de la jouer comme ça en note, enfin note en pluck par exemple, donc les plucks hein, c'est des notes qui sont comme des percussions un peu, puisqu'elles durent pas, c'est vraiment comme des bells ou des trucs comme ça, j'ai essayé de la jouer en legato, c'est-à-dire de donner des notes longues et plus qu'elle soit vraiment en fond et qu'elle soit là en appui et qu'elle donne une idée de mélodie, mais qu'on l'entende pas vraiment autant que qu'on entend celle-là. Donc je vous fais écouter juste ce que ça donne. Bah, j'enlève celle-là. Voilà, donc j'ai essayé de sortir Augmented String d'Arturia, qui est plutôt sympa, et d'essayer de, voilà, de donner ce côté un peu acoustique qu'on cherchait en exemple de Sébastien, et de voir si ça marche. Moi, je trouve que ça marche mieux, en tout cas avec des notes en pluck, mais c'est pas du tout sûr qu'on va le garder. Et c'est dommage parce que cette mélodie est sympa, elle a été faite par... alors, j'ai marqué Erwan R. Rose, mais je sais plus qui c'est. peut-être il est sur le chat, sinon qu'il se prononce. Elle est sympa, mais du coup, si ça se trouve, maintenant qu'il y a la voix, elle est plus nécessaire. Donc on va voir. Bon, alors je lis vos commentaires déjà. Trop gras le P900, bah oui, voilà. User de malice, ça c'est une jolie expression. Exit les mongangloutis. Ouais, voilà. Donc les mongangloutis, finalement, c'est ce que je disais. Elle me plaisait pas, mais il y avait un peu ce côté les mongangloutis justement, et peut-être un peu trop dessin animé, un petit peu trop gnangnan, un petit peu trop naïf, et ça matchait peut-être pas vraiment avec la prod. Donc finalement, peut-être qu'on peut la supprimer ou voir si elle est nécessaire comme ça en fond. Ok, Less is more, oui Adrien, c'est bien, tu montres l'exemple. Au fait, le BPM est toujours le même depuis le début, la prod de l'année, oui c'est toujours 105, tout à fait, on n'a pas bougé. C'est bien, tu montres l'exemple, mais Marclay, du coup je sais plus de ce que je disais quand tu disais ça. Less is more, alors d'ailleurs à propos de ça, il y a une phrase que je vous ai assez souvent dite et que je devrais, pareil, dans la série des t-shirts à imprimer, je pense que ça c'est un truc super super important, c'est une phrase que j'aime beaucoup, et retenez-la si elle vous plaît. C'est en musique, et ça va résumer, je vous la ressortirai en conclusion, ça va résumer l'épisode d'aujourd'hui, c'est que votre musique n'est pas terminée quand on ne peut plus rien ajouter, mais votre musique est terminée quand on ne peut plus rien enlever. Voilà, saisissez bien la nuance et rendez-vous compte de l'importance de ça, c'est-à-dire que le but est pas d'accumuler jusqu'à qu'on se dise « Ah bah là, j'ai trop accumulé, il n'y a plus rien qui rentre, je peux plus rien y mettre », mais le but est de dépouiller au maximum votre prod, d'enlever tout le superflu, de garder que l'essentiel. Alors des fois, il y a des détails qui sont très essentiels, évidemment, il y a une petite piste en fond que si on l'enlève, on va perdre quelque chose dans la prod, donc dans ce cas, ça veut dire qu'elle est utile. Mais ça veut dire que vraiment il faut la prod est finie quand on peut plus rien enlever, et c'est pour ça que c'est très important quand vous êtes comme ça en train de faire une prod, même y compris à la fin au stade de peut-être pas de mix, mais vraiment quand vous commencez le mix ou quand vous êtes au milieu du mix, mutez des pistes et dites-vous, est-ce que cette piste elle est assez importante pour que je la laisse. Est-ce que quand je l'entends, elle apporte quelque chose à la track? Et là, il faut réussir à se mettre à la place de l'auditeur et de sortir de votre place de producteur, parce que cette piste, vous l'entendez parce que c'est vous qui l'avez composée. Vous savez quel instrument elle est jouée. Vous savez aussi que vous comprenez toutes les autres pistes qui sont derrière. Ce qui veut dire que pour vous, elle est quand même facile à identifier, facile à reconnaître, parce que vous connaissez votre prod par cœur et surtout vous connaissez votre prod piste par piste. Alors que l'auditeur, lui, il a pas le détail de toutes les pistes. Il écoute la prod dans sa globalité et ce petit détail que vous entendez parce que vous savez qu'il est là et qu'en plus parce que vous le voyez, faut pas oublier que quand on regarde un séquenceur comme ça, quand on passe sur un clip,
on voit que le clip est là et on voit que les notes jouent. Donc déjà, au niveau visuel, ça nous rappelle que, ah bah oui, c'est vrai, là, il y a un truc qui joue. Si ça se trouve, vous ne l'auriez peut-être pas entendu si vous ne le voyez pas en train d'être joué. Pareil avec les vues mètres. Donc tout ça, l'auditeur, il n'a pas du tout ces infos-là. Ce qui fait que votre petit synthé auquel vous tenez, parce qu'il est sympa, il gratte, il est bien fait, il sonne bien, bah en fait, si ça se trouve, l'auditeur, il va pas du tout y faire attention et en fait ça encombre plutôt qu'autre chose alors que vous vous trouvez qu'il est bien. Donc vraiment c'est quelque chose d'important, c'est de pas hésiter à être dur avec vous-même et même si vous avez passé beaucoup de temps sur quelque chose de le supprimer. Ça on va dire c'est le plus gros conseil de la vidéo. C'est ça, c'est de tout simplement virer ce qui marche pas, enfin même pas ce qui marche pas, de virer ce qui est pas ultra nécessaire. Donc voilà, donc faites attention à ça, mais je sais que c'est pas évident. Et aussi surtout, n'essayez pas de tout mettre. C'est pas un concours à chaque fois que vous faites une track, c'est pas un concours de montrer ce que vous savez faire ou d'essayer de faire le tube ou d'essayer de tout mettre, les plugins que vous avez achetés, les VST que vous avez achetés, et d'essayer de dire entre guillemets, ouais j'ai réussi à faire ça, il y a plein de trucs, c'est super complexe, ça va dans tous les sens et tout. C'est pas utile et en gros c'est pas, en plus c'est pas forcément bien puisque ça marche pas, donc c'est pas, ça va pas vous rendre service et je pense pas que les gens disent, ah ouais t'as mis énormément de trucs, c'est un truc de fou. À moins que ce soit ultra bien fait, là, pourquoi pas. Il y a certaines tracks, je me dis, putain, avec toutes les pistes qu'il y a, c'est quand même très balèze d'avoir réussi à en mettre autant et que ça sonne bien. Mais quand vous êtes dans un stade comme ça, avancé, débutant, etc., n'essayez pas de faire 20 tracks en une, quoi. Ça sert à rien. Et souvent, quand vous accumulez, c'est parce que ce qui est déjà en place ne marche pas. Et plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ce qui est en place ne marche pas, on a tendance à dire si ça marche pas, c'est parce qu'il manque un truc. Et en fait, c'est pas qu'il manque un truc, c'est que peut-être il y a déjà des trucs en trop, et peut-être il y a des trucs à virer. Donc ça c'est super important aussi quoi. Donc voilà, je regarde vos commentaires. Difficile à faire quelque part, faut de la discipline. Moi, j'effacerai rien et te découperai plus. Découperai, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par découper, mec Barclay? Tu es le seul à entendre un peu le générique des Monstres Engloutis. Non, moi aussi, hein, carrément, je disais que c'était... Oui, c'est ça, enfin, les Cités d'Or. Oui, non, mais carrément, je l'avais dit quand je l'avais reçu. Et moi, ça m'y fait penser aussi, donc ça me gêne un petit peu, parce que c'est pas le propos de faire le générique des Monstres Engloutis. Mais il y a un peu le côté, ouais, un peu inca, aztèque, espagnol et tout ça. Enfin, espagnol, je sais pas, mais vous avez compris l'ambiance. T'adorais le générique. Oui, c'était un très beau générique, par contre, au demeurant, avec pas mal d'électro dedans, je crois, d'ailleurs. Perso, la piste de Belle, je trouve que ça passe bien. Après, niveau mix, à voir, mais si tu l'enlèves, elle risque de manquer, car la compagne, quand même, bien le trouve perso. En vrai, il y a 10-15% de ta prod que les gens n'entendent pas. Ouais, voire beaucoup plus, hein. Voire beaucoup plus, à mon avis. Hein. D'ailleurs, moi, ça m'arrive en mastering. Hein. Quand je fais du mastering, je connais pas du tout la prod aussi bien que le producteur qui me l'envoie. Donc, de temps en temps, je vais passer à côté d'un petit détail parce que je l'ai pas entendu. Et lui, il va me dire, ah ouais, mais le clap, à un moment, il y a une montée. Et puis, quand il y a la montée, il y a un snare qui est en fond et après un double snare derrière. Et celui-là, du coup, maintenant que c'est trop compressé, on l'entend pas. Et moi je lui dis ouais mais ton double snare en fait je l'avais pas entendu parce que en fait dans le temps qui m'est imparti pour faire le mastering je peux pas décortiquer toute la prod et je peux pas entendre tout ce qu'entend le producteur parce qu'encore une fois le producteur connaît sa prod donc des fois moi ça m'arrive aussi j'ai ce problème là en tant que pour le mastering quoi donc voilà mais ouais c'est sûr qu'il y a personne qui connaît mieux que la prod que celui qui a passé 40 heures dessus donc voilà pour ça alors pour l'instant cette mélodie, on va la laisser de côté. On va voir quand même si peut-être que la belle ou le refrain à voir. Bon, on y revient. Mais déjà, c'est pour vous montrer que on émet un doute et que pour l'instant, on la supprime. Ensuite, donc, ce qu'il faut faire et ce que je n'ai pas fait. J'aurais dû peut-être ça le faire en off. Je vais pas le faire devant vous parce que ça n'a aucun intérêt. Mais vous comprendrez très bien le principe. C'est que déjà pour cleaner une prod, il faut que votre session soit un minimum clean. Et c'est vrai que c'est quand même du temps perdu parce que moi-même là ici, des fois, je galère un peu parce que tout n'est pas bien rangé, tout n'est pas bien coloré. Et par exemple, le kick, il est ici alors qu'il devrait plutôt être en haut en général. Et vu que cette prod, je l'ai vraiment construit au fil des semaines. Et un peu dans tous les sens, j'ai vraiment foutu le bordel. Donc, premier truc déjà pour cleaner votre prod, c'est déjà de cleaner
décliner le visuel et d'essayer d'être carré pour au moins bien comprendre l'arrangement. Parce que des fois, l'arrangement, quand il est bien fait visuellement, ça nous aide quand même à comprendre, ok, là, il y a quand même beaucoup de clips, là, il y en a un peu moins. Alors que là, vu que c'est un peu le bordel, j'ai un peu du mal à y voir clair. Donc, premier truc, c'est bien mettre vos clips, ranger vos pistes et bien les nommer et bien les colorer. Mais bon, ça, vous le savez, je vais pas y passer 20 ans dessus. Bon, je l'ai pas fait, je le ferai pour la prochaine fois. Ensuite, donc, virer les pistes qui servent pas, ça, on vient d'en parler. On va y réfléchir en avançant. Et puis aussi, ce qu'on va faire aussi, donc c'est, on pourrait considérer que c'est du mix, mais pour moi, c'est plus de la prod. On va, dans les pistes qu'on garde, on va supprimer tout ce qui ne sert pas. Donc là, on va filtrer. On va filtrer comme un goré pour voir ce que ça donne. Alors, en parlant de découpage, la voix serait peut-être bien... la voix peut-être de la retirer sur certaines parties pour être surpris quand elle revient. Alors oui, c'est pas une mauvaise idée, peut-être que... Alors, le problème de ça aussi, c'est que c'est une voix en anglais que j'ai chopé sur des banques, et j'avoue que je sais pas trop ce qu'il dit, le monsieur, ce qui peut être problématique quand on sort une track. Bon, de toute façon, sur les banques, hein, en général, il dit pas de la merde, hein, il va pas dire des trucs craignos, mais bon, en général, c'est des trucs pas très intéressants et un peu bateaux. Donc, le problème de ça aussi, c'est d'abord, il faudrait quand même traduire. Et puis, une fois que ça a été traduit, voir si on peut retirer des choses, parce que si jamais tu retires un truc, autant ça peut perdre son sens, autant ça peut prendre un sens bizarre aussi. Donc faut faire attention à ça, quoi. Et il a quand même un flow très, très rapide. Donc, je sais pas si on peut arriver à lui découper dans le lard, au monsieur, quoi. Mais l'idée est pas bonne, et pas mauvaise, en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Alors, on va continuer juste vite fait à écouter un peu les pistes pour voir sur lesquelles on émet des doutes. Ici, dans la partie du couplet. Donc là, on a le kick, on va s'en occuper. Là, on avait un truc, j'avais mis un kick hurt, je sais plus pourquoi j'avais mis ça. C'était un kick qui ressemblait à un cœur, c'est pour ça que... Voilà, et en fait, il venait donner du groove au kick. Je vous fais écouter les deux ensemble. Voilà, j'ai trouvé que l'idée n'était pas forcément mauvaise, mais ça matchait pas. Les deux kicks marchaient pas ensemble et ça foutait le bordel. Donc, ce que j'ai fait, là aussi, finalement, c'est du clinage, c'est que les coups, en fait, ici, vous voyez là, on voit... Voilà, le coup ici, je l'ai rajouté là, en fait, tout simplement sur mon kick. Et ici, au niveau ici de la vélocité, je l'ai mis beaucoup moins fort. Ce qui fait que le kick se répète. Et aussi, j'ai doublé le kick à certains endroits pour donner plus d'impact sur ces points-là. Je vous fais écouter. Alors, si j'enlève ça... Voilà, et d'ailleurs, je me dis que c'est peut-être pas utile et que ça a tendance peut-être à trop crader. Parce que ça donne une grosse saturation. À voir en contexte, mais à voir en contexte. Sinon, ce que je pourrais faire, c'est donner plus de vélocité juste à ces deux kicks-là, baisser un peu celle-là et baisser encore un plus celle-là. Mais bon, à voir. Mais là, comme ça, en écoutant tout seul un truc avec du recul, je me dis que ça crade peut-être un peu trop. Donc le kick, donc là, le kick hurt, finalement, on le vire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément la virer, comme ça, ça fait de la place. Le shaper box qui est ici, je vous en parle après. Ensuite, donc, on a les subs. Et là, dans l'esprit de quelque chose de clean, on va vraiment devoir tout de suite cleaner le couple kick-bass. On n'est pas à l'étape du mix, mais on ne doit pas du tout attendre l'étape du mix pour que le couplet kick-bass soit efficace et marche. Donc il faut qu'il marche dès le début. Si votre couple kick-bass ne marche pas dès le début, changez de kick, changez de basse ou foutez la prod à la poubelle, mais continuez pas une prod sur un truc bancal. C'est comme si vous voulez construire un immeuble avec des fondations qui tiennent pas du tout. À un moment, ça va se casser la gueule ou ce sera bancal. Donc vraiment, ça, c'est super important. Donc c'est un truc à régler très rapidement. Chose que j'ai pas forcément fait aussi dans cet exemple, parce que c'est vraiment un exemple particulier, parce que j'attendais de voir aussi ce qui allait arriver. Et peut-être, je me suis dit, je vais peut-être changer le kick en fonction aussi de ce qui arrive et de la direction qu'on prend. Mais là, je pense qu'il est quand même un peu verrouillé, même si, si jamais vous me dites que vous avez un meilleur kick à proposer, je suis tout oui, mais voilà. Je regarde vos commentaires.
En parlant de découpage, la voix, oui, elle parle de l'Eurovision. La voix, elle parle de l'Eurovision. Tu comprends bien l'anglais, Adrien? Est-ce que quelqu'un pourrait me traduire la voix? D'ailleurs, ça serait cool. Pas découper les mots, mais plus dans le sens éviter les phrases trop répétées tout le long de la track. Enfin, faut que tu réécoutes. Ouais, le truc, c'est que il enchaîne vraiment les mots et c'est peut-être un peu compliqué. Il faut matcher par fréquence, en fait. C'est-à-dire, tu parles de quel élément, Adrien? Ok, donc ce que je fais toujours, 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 c'est qu'il y a une basse sub et une basse high, voire des fois une basse mid. Enfin, c'est pas voire des fois, c'est même des fois assez souvent. Mais en tout cas, ma basse, elle est jamais composée d'une seule basse. J'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un qui est sur le chat. Donc là, ici, j'ai ma basse sub. Je l'ai faite avec quoi je l'ai faite? Je l'ai faite avec quoi? Avec un instrument contact. Voilà, donc je vous la fais écouter toute seule. Ok. Ce que j'ai fait pour la stabiliser, évidemment, je l'ai clippée. Je pourrais même la clipper plus. Voilà, le but, c'est qu'elle reste. Je vais ouvrir un Pro Q3. C'est que vraiment, elle reste très très stable. Notamment et surtout au moment où ça change de note, parce que là on n'est pas sur de la techno où on joue en sol tout le long ou enfin n'importe quelle note. Là on est en train de jouer des notes avec la basse, ce qui fait que cette basse sub, surtout ici, bah, quand on joue des notes des fois plus aiguës, bah, la basse elle sonne beaucoup plus fort. Donc là il va falloir stabiliser, ça c'est super important, et ça fait partie du nettoyage parce qu'il faut que ce soit propre. Il faut que ça se soit propre, sinon ça marchera pas, encore une fois. Donc voilà, là on voit bien la basse, ici la puissance elle est vers là. Voilà, et le fait d'avoir clippé, je suis un tout petit peu plus au-dessus, mais ça va. On va aller vers ici pour voir un peu comment ça se passe. Voyez que j'arrive quand même à rester stable. Si j'enlève le standard clipper et le max bass qui est ici. Alors attendez, je vais juste fermer les trucs que j'utilise pas. Et le max bass. Voyez là par exemple. Alors du coup, il y a ça qui fait chier. Attendez, je vais virer ça. Voilà. Et ça. Là ici, vous voyez, le niveau d'énergie est ici. Et là, par contre, il est beaucoup plus bas. Vous voyez, il est là. Et j'ai peut-être 2-3 dB de niveau d'énergie. Et c'est super important de ne pas les avoir. Donc, voire plus. Hein. Parce que là, à un moment, la note aiguë, je crois qu'elle était vers là. Donc, tout ça doit être très stable. Donc, pour ça, il y a plein de techniques. Là, pour l'instant, j'ai déployé les techniques un petit peu standard clipper. Donc, je clip. Je peux clipper quand même bourrin. Voilà. Bien sûr, du coup, je mets un EQ. Parce que là, j'ai rajouté de la saturation en clipant. Donc je filtre. Je vais pas le faire ici d'ailleurs, je vais le faire plus tard. Quoique j'ai mon max bass, alors mon max bass, je vais le mettre ici avant. Donc max bass de chez Wave. Voilà. Et là, maintenant, je vais aller nettoyer avec mon Pro Q3. Alors elle pourrait être un peu plus sub, mais je vais me mettre ici vers 30 à peu près. Ouais, ça enlève vraiment les sub grades. Je me mets en linéaire phase puisque je suis en train de toucher au sub, et là je filtre tout ce qui m'intéresse pas puisque c'est une basse sub. Alors là, est-ce que je garde là je garde la première harmonique, est-ce que je garde la seconde ou pas? Je sais pas trop. Peut-être je vais faire une pente un peu plus douce. Peut-être je garde la deuxième harmonique, on va voir. Donc là voilà, j'ai vraiment filtré pour virer tout ce qui m'intéressait pas. Du coup, je peux peut-être filtrer
avec une pente un peu plus grave. Là, je vais peut-être filtrer un peu plus. Mettre à 32. Par exemple, voilà. Donc, premier nettoyage, il est ici, et il est super important. Ensuite, j'ai ma basse, donc ma basse high, ma basse aiguë, qui va aller, sur laquelle je vais pouvoir m'amuser et faire des trucs plus créatifs, y compris rajouter de la stéréo, y compris la saturer beaucoup plus, y compris pourquoi pas mettre de la reverb, sans foutre le bordel dans mon sub. Et ça, c'est super important. Je regarde vos commentaires. Il faut, on peut stabiliser avec de la compression bas niveau, style MV2. Oui, alors sur une basse, on peut le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire peut-être sur le bus. Ça peut carrément aider à stabiliser. Mais ça va peut-être là. C'est-à-dire que si je veux mettre, ça va la rendre le stable. Mais là, vu qu'elle joue. Avec un arpégiateur, j'ai un arpégiateur qui l'a fait jouer, ça risque de relever un peu trop le release. Et donc, c'est pas sûr que ça marche, mais on peut essayer. Donc, ici, basse high, j'ai pas besoin d'un standard clipper dessus. Par contre, j'ai pas besoin d'un max bass non plus, je crois que vous avez fait une copie. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Sais même pas ce que j'ai mis comme son. Ouais, j'ai mis un Razor. Ok, bon. Je pense qu'on peut trouver autre chose. Hein. Je pense que je m'étais pas trop fait chier. Je pense qu'on peut trouver une basse un peu plus adaptée. Mais bon, là, c'est pas le propos, quoique. Ça fait partie du nettoyage. Mais pour l'instant, on va rester sur le nettoyage. Donc là, maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans le Pro Q3, ici j'ai toutes mes sessions, toutes mes instances de Pro Q3, et je vais aller chercher ma basse sub, voilà, que je mets ici. Et là en rouge va s'afficher ma basse sub. Ici. Alors on voit bien d'ailleurs que les harmoniques, hein, se complètent bien, quand il y a des trous là, ça rentre, ok? Donc là je vais faire l'inverse, c'est que je veux pas de sub, puisque mon sub je l'ai déjà eu. Donc je vais aller cutter. Alors toujours en phase linéaire, hein, vu que je touche au bas. Alors là, je vais juste faire taire ma basse sub. Est-ce que je garde la première harmonique? Peut-être, parce qu'elle va se ranger quand même dans les trous là, de fait par la basse sub. Bon, on va voir. Et là, pareil, je filtre aussi les aigus, évidemment. Voilà, par exemple. Et là, vous voyez que j'ai vraiment, vraiment cuté. Je peux être un peu plus violent. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, j'ai une basse ici que j'ai pu saturer, que j'ai pu stabiliser. Mais par contre, elle est peut-être un peu trop grave. Donc, pour lui redonner, pour la faire percer dans le mix et lui donner donc de l'aigu, plutôt que d'aller le faire sur cette même basse, je rajoute ici une piste où il y a la basse aiguë, mais qui n'est pas trop aiguë. Hein, vous voyez que j'ai quand même vachement filtré. Enfin, c'est pas grand-chose. Et après, j'ajuste mes niveaux. Donc là, je vais la mettre à 0. Par exemple, on va voir après en contexte. Donc voilà déjà pour ça. Bon, il y a plein d'autres techniques un peu plus radicales et plus avancées pour gérer le kick bass, mais je vais pas les donner là. Ça serait trop long. On va quand même essayer de rajouter un MV2 parce que ça marche toujours. Enfin, ça marche toujours. On va voir justement si ça marche. MV2 de chez Wave, donc un outil indispensable à avoir. Bon, on n'est pas obligé de le faire avec ça, hein, de compression de bas niveau. Il y a pas mal de plugins, mais celui-là en tout cas est bien foutu.
pourquoi pas, ça lui donne encore un peu de gras peut-être. Ça la stabilise un petit peu. Bon, là, en l'occurrence, ça marche, donc on peut le laisser. C'est assez léger. Hein. Pour rappel, MV2, compression de bas niveau et limitation ici. Voilà. Et par contre, ce qui manque, évidemment, maintenant, c'est de faire un sidechain. Alors, je regarde vos commentaires. Salut Arki, je t'aime. Moi aussi, Jacques Rose. Moi aussi. D'ailleurs, je ne t'appelle plus Jacques Rose, tu t'appelles Jack. Ben, je ne t'aime plus. Voilà. Quand il y a des trous, ça rentre. C'est tout ce que tu as retenu. T'es arrivé au bon moment. Grave bien expliqué, en tout cas, pour ce live. Merci, merci Jack. Le kick bass suffit. Le kick bass suffit, je peux virer tout le reste. Pourquoi pas. Alors, à propos de la... Je dévie un peu. À propos de... Tout à l'heure, on écoutera en fin d'émission ce que nous ont envoyé Sumoto Oiki. Joachim et Ethanael et Joe 30 et justement je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié, voilà, bah justement j'ai oublié, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc on écoutera en tout cas ça et c'est parti. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé donc J qui m'a envoyé une basse, bon, je vous la fais écouter là vite fait. Voilà, en fait, ce qu'il a fait, c'est que plutôt, moi, j'ai mis, parce que je voulais pas trop avancer le truc, j'ai mis un arpégiateur, et là-bas, ça le fait tant, 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 donc vraiment le truc basique et méchant. Je suis pas sûr que ce soit forcément adapté à ce style de prod, et en effet, une basse qui serait vachement plus groovy et qui jouerait pas tout le temps, permettrait non seulement de donner du groove, et de cleaner. Pourquoi de cleaner? Puisque les endroits où la basse joue pas, bah ça va permettre de rajouter de l'air et du coup de faire la place à d'autres instruments, de faire entendre les autres instruments au moment où la basse joue pas. Alors là, le souci, c'est que l'idée est bien, mais ce qui m'a envoyé, on voit du tout que la basse est pas du tout stabilisée. Donc là, je pense que je pourrais hein, essayer de faire les mêmes techniques et tout là. Mais je pense déjà que son de base, de basse, est pas forcément adapté pour faire ça. On le voit hein, parce qu'il y a des attaques qui sont, enfin les attaques sont pas du tout les mêmes. Des fois il y a des pics, des fois le release est trop long. Donc ce qui veut dire que il faudrait beaucoup plus soigner déjà le midi et le synthé qui fait la basse pour avoir quelque chose déjà de plus carré. Alors on peut donner du groove, mais c'est pas parce qu'il y a du groove qu'on va vouloir donner quelque chose d'instable. On va pouvoir donner du groove avec quelque chose de très carré et très sec. En fait, là, surtout que la basse, en général, on l'entend pas. Elle est là, elle est nécessaire. Si on l'enlève, on entend qu'elle est plus là. Mais en général, la basse, elle est, on l'entend de manière presque inconsciente. Donc, elle a pas besoin d'être, en tout cas, le sub a pas forcément besoin d'être extraordinaire au niveau du sound design. Sauf si la basse fait partie vraiment un élément principal du morceau. Il y a certains morceaux où la basse est quasiment l'instrument lead. Donc là, oui. Mais donc l'idée est bien. Joachim, mais il faudrait quelque chose de plus carré. Donc, si quelqu'un est chaud pour faire du moins m'envoyer un midi, quelque chose, en fait, pour pas jouer comme ça, de manière carrée, mais que la basse apporte du groove au morceau. Donc de m'envoyer la piste midi et moi à la limite je m'occupe de trouver la basse qu'il faut et de l'éditer et tout ça, carrément, et c'est une bonne idée. Donc merci pour ça Joachim, on gardera pas ça mais en tout cas on peut garder l'idée. Je vous fais écouter un peu le reste. Voilà, puis je sens qu'elle a du... Elle est stéréo aussi si je la mets ici en mono. Voilà, on voit qu'elle perd vachement d'énergie. Voilà, même si on monoïse uniquement les 120. Voilà, on perd un peu et donc il faudrait aller trop sound designée et puis pas assez carré pour faire une basse sub. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fait partie aussi du nettoyage. C'est de penser à faire une basse qui prendrait pas toute la place et qui jouerait pas tout le temps. Donc allez-y, à vos claviers pour faire une basse...
une basse groovy, en tout cas. Enfin, pas forcément groovy, mais moins binaire, moins linéaire, on va dire. Après, à vous de voir. Mais en tout cas, ça ne va pas nous empêcher d'essayer de faire du sidechain, puisque ça fait aussi grandement partie du nettoyage. Et le sidechain, on ne le fait pas à l'étape du mix. Le sidechain, c'est vraiment dans l'étape de production qui doit se faire, parce que c'est super important. Le kick bass, ça marche bien. Une slap bass, ouais, une basse là, pourquoi pas un truc acoustique. Alors bon, si on met une basse acoustique, il faudrait qu'elle soit super bien jouée, super bien carrée, mais pourquoi pas, ça peut redonner le côté rock et le côté un peu instrumental à cette track. Donc pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas la faire avec une basse ou alors une basse électro qui ressemblerait un peu à une basse de guitare, quoi, pourquoi pas. Son de basse de basse pour un preset de basse de basse. Une basse French Touch, oui, voilà. Ouais, bah c'est la French Touch, ils étaient très forts aux lignes de basse, assez cultissime, ça c'est clair. Donc voilà, alors... Sidechain, on va faire un sidechain complexe, puisque ici on voit que on a des kicks qui jouent pas du tout en 4/4. Et là ici, c'était le but, on avait dit que le refrain, on faisait un bon gros kick en 4/4. Ok, ce qui fait que si je commence à faire un sidechain, par exemple avec un LFO tool ou avec un shaper box, je vais avoir des problèmes parce que il va pas être pareil au même endroit. Alors je pourrais faire un sidechain avec des automations à la main, je pourrais faire un sidechain avec un kick, avec un compresseur évidemment, je pourrais faire un sidechain avec le track spacer de Wave Factory qui marche bien. Et du coup l'avantage de ça, c'est que bah, il va suivre les kicks, les deux dernières solutions que j'ai proposées. Mais en l'occurrence, j'ai voulu faire un sidechain très radical. Parce que je veux faire de la place. Je vous montre ce que j'ai fait avant avec le Wave Factory qui est ici. Qui est où? Je l'ai viré. Non, Track Spacer. Oui, le Wave Factory, il est là. Donc ça, c'est un très bon plugin. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt sur un autre plugin que vous ne soupçonnez pas qui permet de faire du sidechain et du méchant sidechain super, super fin, on va dire. Et c'est un plugin que vous connaissez très bien, donc je fais une vidéo bientôt là-dessus puisque j'ai pas vu de vidéo qui parle de ça et en bidouillant j'ai trouvé cette technique, donc je vous fais ça à la rentrée, restez connectés. Donc le maniaque du rangement, pourquoi le maniaque du rangement? Ah oui, du nettoyage tu parles peut-être, Mike Barclay. Donc le kick sub bass ici, on voit qu'à chaque fois que ça tape il va aller compresser les fréquences dans lesquelles le kick tape. Alors là ici, j'ai la capacité de de pouvoir tourner ma compresse. Donc voilà, du coup ça fout la merde, je suis puni, voilà. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Il y a mon live qui monte tout seul à 70%. Attendez, je regarde juste un truc, si j'arrive à changer mes scènes, j'en profite. Est-ce que mes chaînes changent pour l'instant, ça marche bien. Bref, j'y retourne, ça m'apprendra à dire des conneries. Donc là, ça me permet de dire, je veux pas que tu compresses l'extrême low et je veux pas que tu compresses les high, donc avec un high cut. Je sais pas pourquoi, il est pas content. Bon, bref. Vous avez compris le principe. Et donc là, ça va les pomper plus ou moins. Là, si je me mets à 100%. Ça va aller faire un gros trou sur ma basse à l'endroit où le track spacer joue. Bon, vous connaissez ce plugin, mais le problème, c'est que vous voyez que ça fait une courbe qui va être très naturelle, parce que ça va faire un sidechain qui ne s'entend pas trop, parce que vraiment, les fréquences du kick vont aller rentrer dans les fréquences de la basse. Mais pour faire du nettoyage, on peut vouloir faire un sidechain tout à fait radical. Et pour ça, on va utiliser Shaperbox. Donc, je vous montre comment. Il est ici, je l'ai préparé cet après-midi. Voilà, donc on va faire ici, donc avec les possibilités ici dont on a des patterns, enfin des presets entre guillemets de sidechain. Bon, moi je l'ai fait à la main parce que je voulais qu'il soit comme ça. Mais l'avantage c'est que on va avoir vraiment, c'est comme si on faisait une automation, hein, et à chaque fois que le kick va jouer, bah, ici il y aura du silence, et là le volume va remonter, et là on entendra la basse, ok?
Sauf que ça marche très bien ça en ici en 1-4, donc en croche, pardon, en double croche. Oui, double croche, c'est ça, je crois. J'ai un doute. Donc en 1-1 ici, ça marche très bien, sauf que ça va pas marcher puisque ça va marcher ici à l'endroit où mon kick joue en 4-4, mais ça va pas marcher ici où mon kick joue de manière un peu bizarre. Donc, je suis obligé de prendre mon cable guy et de prendre ici le volume shaper et de le trigger en midi. Donc, midi ici avec le one shot, ok, de se mettre en one shot. Kickstar 2 fait une très bonne mise à jour pour ses kicks pas en 4-4. Ok, j'ai pas regardé, mais par contre, est-ce qu'il arrive si je fais n'importe quoi, tu vois, est-ce que si, est-ce qu'il a ce pattern là par exemple, tu vois, c'est pas forcément dit qu'il l'est. Donc, si tu me dis qu'il y est, oui, mais je sais pas s'il y a tous les patterns du monde, quoi. Bon, l'avantage de faire ça en midi, c'est qu'en fait, je vais aller trigger ça en midi, et à chaque fois que va y avoir une note midi, il va me déclencher mon sidechain. Ok, pour ça, je suis obligé de faire une piste fantôme entre guillemets avec un kick ici qui est en C3 et vous voyez que ici j'ai les déclenchements et volontairement je n'ai pas fait déclencher mon sidechain par la ghost note un peu le kick qui est beaucoup plus faible, j'ai pas voulu qu'il déclenche mon sidechain. Je vous fais écouter avec et sans. Je sais pas si vous entendez, là c'est plus brouillon, le kick se perd un peu. Voilà, après je peux continuer ici, et là il y a une technique un peu particulière chez Paperbox, j'en ai mis un. Voilà, vous voyez que la courbe est un peu différente. Là j'ai enlevé celui du high et celui du low. Voilà, c'est beaucoup plus brouillon. Voilà, donc j'en ai mis deux. Et alors, il y a une technique pour trigger à partir d'une même piste MIDI de Shaperbox. Mais en fait, il faut ici prendre un rack, mettre des external instruments dans des racks. Et bon, ça, c'est pour ceux qui sont sur live uniquement. Et en fait, là, je vais aller dire que cet external instrument, je l'envoie vers la basse 37 Shaperbox. Et celui-là, je l'envoie vers la basse, la piste 38, Shaperbox. Et en fait, les deux, du coup, sont triggés par la même piste. Voilà. Sinon, je suis obligé de dupliquer à chaque fois ma piste et c'est un peu relou. Donc, voilà la petite astuce pour ceux qui sont sur live. Donc, voilà. Bon, là, le truc, c'est qu'on ne va peut-être pas garder cette basse. Donc, je ne vais pas forcément m'y attarder. Mais en tout cas, c'est vraiment une des techniques primordiales pour faire du nettoyage et de la place dans une track. C'est super important. Oui, tu regarderas, il y a moins de possibilités de courbe que sur Shaperbox. Ok, d'accord, mais ouais, mais ça m'étonne, si jamais je fais un truc complètement... tu vois, j'en sais rien, si je décide ici de virer juste ces kicks-là, est-ce que le kick, le machin, le va suivre, tu vois? Est-ce qu'il faut changer de pattern, un truc comme ça? Bon, je regarderai en tout cas, ce sera plus clair. Mais si c'est des presets, ça m'étonnerait que ça matche avec tout. À mon avis, il doit peut-être pouvoir se trigger en midi, sinon. Dans ce cas, ça règle le problème. Le kick du couplet reste en 4-4, mais pas avec un kick partant. Si, là, c'est un kick partant. Hein. Le kick du couplet. Si je mets le métronome. Ah, il y a une détection audio, ok. D'accord, quand il y a une détection audio, ça fait sidechainer. Ok, pourquoi pas. Ça peut être une bonne technique pour éviter de faire ce genre de routing. Mais il me semble qu'en effet, t'as pas la main sur les courbes, hein, parce que c'est vrai que le Shaperbox, en tout cas, c'est pas mal pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête. Bon, moi, je l'ai pas regardé, parce que je fais tout avec le Shaperbox. Mais c'est vrai que là, ici, je peux aller m'amuser à faire toutes les courbes que je veux, plus évidemment d'autres choses, quoi. Je pourrais très bien aussi, au lieu de faire du volume, pourquoi pas faire du filtrage aussi avec le filter. Voilà, ça permet d'aller plus loin. Mais en tout cas, ceux qui l'ont pas, de toute façon, c'est la même boîte, hein, donc il n'y a pas de mystère. Je peux aussi faire du multiband aussi.
puisque je pourrais vouloir ne si ma basse avait un peu d'aigu, vouloir sidechainer que la partie grave et de manière différente la partie aiguë ici, avec la partie multiband qui est super importante dans le Shaper Box ici. Voilà. Ok, bah merci pour le tips en tout cas. Bah si vous n'avez pas, si vous n'avez pas Shaper Box, prenez Kick 2 du coup, enfin Kickstart pardon, de Nicky Romeo qui sera très bien et beaucoup moins cher, j'imagine, parce que je crois qu'il n'est pas très cher. Bon, voilà pour le kick bass. Il y aurait évidemment beaucoup beaucoup de choses à dire, mais voilà un peu le principe. Ensuite, on va continuer vite fait à cleaner tout ça. C'est-à-dire, on va prendre les pistes piste par piste et on va regarder ce qu'on va retirer. Alors, les drums, c'est parti. Donc, les drums, j'ai reçu des trucs aussi. C'est intéressant ce que j'ai reçu. Je vous fais écouter ça en fin d'émission. Mais en tout cas, Pro Q3. Voilà. Et n'oubliez pas que le Pro Q3, vous avez ici les conflits qui s'affichent. En rouge ici, hein. Donc ça c'est un bon visuel. Et une fois que, si par exemple je veux voir si mon, je sais pas, ma bass sub n'a pas de problème avec ma piste de drum, bon bah je vois que là ça va, hein. Je vois bien qu'elle joue là et que mes drums jouent ici, donc à part ici ça va. Mais par contre je vois qu'il y a un problème ici. Bon, j'ai pas besoin du visuel pour le voir, mais en tout cas vu que j'ai mon kick qui s'occupe de faire du grave, normalement, ma piste de drum, je peux aller filtrer. Alors, je vais virer ça. Ouais, moi, je filtrerai au moins là comme ça jusqu'à 300. Voilà, une manière assez radicale, 30 ou 36. Phase linéaire, toujours. Si je l'allume, c'est mieux. Voilà, du coup, là, ici, ça vient plus foutre le bordel avec mon kick. Ensuite, les aigus. Alors là, vu que c'est des hi-hat, je pense pas, mais quand même, on sait jamais. Peut-être qu'une légère pente à 14 000. Juste pour lisser un petit peu, à voir. Bon, je le ferai plutôt avec un SSL, ça, mais bon. Voilà. Pour exemple, alors il faudra aller dans le détail, hein, et faire ça sur chacun, sur les snares, sur les trucs, mais vu qu'on va peut-être pas la garder, je vais pas le faire. Ensuite, on a ici. Donc là, je peux aller prendre mon sub. Bass sub ici. Et je vois bien qu'il y a du conflit, hein. Voilà, là toute la partie grave de cette orgue, j'en ai pas besoin parce que c'est mon sub qui va la faire, donc j'ai pas besoin de la dupliquer et j'ai pas besoin que ça se marche dessus. Okay, bon, ça c'est vraiment les bases, hein, mais c'est super important parce que je reçois plein de mastering où c'est pas fait, donc je me permets de leur préciser ici. Je filtre vers le haut aussi. Ok, allez, je vais accélérer un petit peu. Là, ici, on a donc ce synthé-là. Parce que comme ça, je vous fais écouter avant-après ce que ça donne déjà avec du nettoyage. Bah là, il n'y a rien. Si, y a... Ouais. Là, pareil, j'ai grave, grave de grave. Alors, déjà un petit ralentissement. Ça marche toujours, ça marche toujours. Allez, pareil, je vais vite. Vous avez compris le principe. Hop, si je me mets là, c'est mieux. Voilà. Pour l'instant, je fais pas d'EQ, hein. Je suis pas en train de travailler les fréquences, je suis juste en train de nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Ok, allez, ici, pareil. Là, j'ai pas mal de graves, vous voyez ici.
Ça sert à rien, j'en ai pas besoin. C'est pas du tout le but de cet instrument de générer du grave. Pareil, je filtre un peu les aigus. Alors là, j'y vais assez radicalement parce que je sais que j'ai besoin de faire de la place dans ma track. Hein. Je ferais peut-être pas pareil si, s'il était tout seul. Voilà, ensuite, pour l'instant, les synthés, on les laisse de côté. La voix, donc même souci. Là, alors là, faut y aller un peu plus, avec un peu plus de finesse et faire un peu plus attention parce que la voix, faut pas aller la défoncer non plus. On va écouter, on va mettre quelque chose en boucle. You got me trapped inside this spell. Ah, je dirais ici à peu près. Est-ce qu'on a besoin de ça? Peut-être pas. À voir. Je filtre un peu, on verra. Alors là, l'idéal, ça serait un low cut qui serait qui suivrait la première harmonique pour que le truc aille comme ça se balader. Et parce que là, des fois, je suis un peu trop bas et des fois, je suis un peu trop haut. Donc ça, on pourrait utiliser par exemple neutron ou alors neutron. Je sais pas si le low cut peut le faire. J'ai un doute. Je vais regarder ça tout de suite. Tiens, est-ce que neutron il fait ça? Je crois qu'il fait pas, je crois qu'il fait les isotopes. Neutron, neutron 3, on va prendre neutron equalizer. Non, c'est pas neutron, pardon, c'est nectar, je confonds. Nectar. Donc c'est nectar, c'est truc de chez Isotope qui sert à traiter les voix. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça, justement. Je vire neutron. Je sais plus si on peut ici surfer avec ça. Je crois que oui, hein. Ouais, on peut. Voilà, donc on va le faire là plutôt qu'avec avec le Pro Q3. Il est où? Il est là. Tech Pro Q3 est là. Du coup, je vais le virer et je vais utiliser ça. Alors voilà, ce que je vous montre, c'est que en fait, avec Nectar, on va pouvoir automatiquement fixer ça sur une harmonique et le truc va se balader. You got me trapped inside this spell. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel them. I can feel them pull me down. You got me trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Ouais, là on voit bien qu'il bouge, hein. Ok, je pourrais faire ça peut-être aussi, pourquoi pas sur les aigus. Ouais, c'est peut-être pas la peine. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, bon, pour aller un peu plus vite. Donc, vous avez compris le principe. Je regarde vos commentaires. Le fantôme d'Alexandre Badaché est ressorti. Tu utilises toujours Claro? Honnêtement, un peu moins, mais de temps en temps, oui. Mais en ce moment, je fais pas trop de mix parce que je suis en train d'avancer des prods. Donc, je suis un peu moins en phase de mix. Et Claro, j'aurais plutôt tendance à utiliser en mix. Donc, je te redirai ça quand je recommencerai à faire des mix à la chaîne. Mais un peu moins, quoi. C'est ultra important ce que tu expliques et tu expliques bien. Merci, c'est cool, Adrien. Ça fait plaisir. Après, il faut gérer les conflits des médiums beaucoup plus durs. Oui, alors on n'en est pas là parce que là on fait pas du mix, mais déjà c'était pour montrer vraiment les trucs un peu de base, on va dire. Salut Terre Sauvage, bienvenue. Salut Rose. Il y a le Surfer EQ aussi, tu crois? Ouais, le Surfer EQ marche bien pour ça, mais vous voyez, le Nectar s'en sort plutôt bien. Allez, bon, voilà pour la voix. C'est à peu près tout. Alors, oui, on a ici ce que j'ai essayé de mettre dans le refrain. Je vous fais écouter. Voilà, c'est l'idée que j'avais en tête d'un refrain qui pourrait faire comme ça avec des gros cuivres bien dégueux. Là, rien qu'en écoutant ça, si je mets un Pro Q3 et qu'on regarde juste le spectre, il y en a partout, quoi. We'll be right back.
Ouais, j'ai plus de place pour rien, quoi. Le truc, il a déjà pris toute la place. On va voir si peut-être on le garde, mais je vais voir si j'arrive à le filtrer grave. Bon, on va voir. Ensuite, il y a le lead ici fait avec sérum. Pareil. Ok, et après on est à peu près bon. Bon, je vais pas faire ça sur tout ce qui reste, mais déjà voilà un peu ça. On va réécouter vite fait juste le couplet plus refrain, et puis on va comparer à ce qu'il en était au départ, et voir déjà si on a réussi à faire du ménage. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à faire et le faire avec beaucoup plus de soin, mais là je suis en direct et il faut avancer. Allez, c'est parti. Hop. Il n'y a pas de son. Peut-être que je suis en solo sur quelque chose. Ouais, je suis en solo. Ah, j'ai oublié de virer le P900. Dégage, on t'a dit. Il est où? Il est où? Il est là. Donc lui, on le vire puisque on n'en veut plus. Pour l'instant, la mélodie, on verra. Je la mets pas. Hein. Je vais mettre ça en boucle. Je vais vraiment faire tourner un truc en boucle. Voilà. Et on va se concentrer là-dessus. Alors la voix est trop forte, du coup. Vous voyez, la voix, là, je l'ai baissée quand même de 4 dB, je crois. C'est beaucoup hein, pour une voix. Donc, ça veut dire que bah, pour la faire rentrer avant, elle ne rentrait pas. On ne l'entendait pas très bien. Maintenant, elle arrive à percer sans problème le mix. Et bah, je l'ai baissée facile de 4 dB, quoi. Voilà, donc on voit déjà que c'est quand même vachement, vachement, vachement plus clean. Pourtant, j'ai pas fait grand chose puisque j'ai surtout parlé, j'ai pas trop appliqué. Et puis voilà, il y a encore une fois plein d'autres choses à faire. Et j'ai pas du tout équalisé hein, pour l'instant, à part faire du filtre. Mais déjà, c'est quand même beaucoup plus net. Du coup, il y aurait peut-être, on se dit, bah finalement, il y a peut-être quand même de la place pour autre chose. Donc on peut essayer, pourquoi pas, de rajouter la mélodie, voir ce que ça donne. Je regarde vos commentaires. La brasse des enfers, ouais. Si ma bite, c'est ça exactement. C'est ça qu'on veut, la brasse des enfers. J'ai convoqué quelqu'un pour essayer de m'en faire une, justement. C'est déjà bien mieux, on comprend mieux. Ouais, ok, d'accord, c'est bien mieux. T'es en retard, c'est pas grave, Valkama, tu pourras regarder en replay. Alors du coup, pourquoi pas là? Le violon, j'ai l'impression qu'il rentre. On va aller filtrer ça encore une fois, puisque là, il a beaucoup de graves. J'ai pas envie d'avoir la première harmonique, c'est pas grave. Fucked me up, I'm so
Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, j'arrive pas à me dire s'il faut le garder ou pas cette mélodie. On va juste essayer avec la Bells. Alors la mélodie, je trouve quand même apporte quelque chose. Hein. Ça joue en, ça, elle vient un peu répondre à la voix et donner quelque chose à la voix. Donc je trouve que ça marche et peut-être que finalement, peut-être pas une belle, parce que du coup là, ça donne un côté trop mignon, trop enfantin et ça va pas avec la track. Mais peut-être finalement, maintenant qu'il y a de la place, peut-être qu'un pluck, en tout cas, marche mieux. À voir lequel. Peut-être ça peut être quelque chose d'acoustique, parce que du coup les violons peut-être ils se traînent un peu trop. Mais pourquoi pas, du coup, pourquoi pas. Je regarde vos commentaires. Ça va être bien plus simple avec d'équaliser maintenant, ouais. Le violon, oui, a changé le son de la belle. Donc ouais, du coup, je pense pas que ce soit trop possible de garder les deux, pourquoi pas, mais je vais juste essayer de changer le son du violon pour voir. Là, pareil, hein, dans un souci de nettoyage, j'hésite pas à enlever les tonnes d'FX que Arthur aime bien mettre, puisque voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Style, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'il y a des plucks, type. Donc voilà, vous voyez que c'est assez bien fait chez Arturia. On a des plug and string, pourquoi pas? On peut voir ce que ça donne, puisque des fois chez Arturia, ils sont bien bien travaillés. Je vais les écouter tout seul. Pourquoi pas un truc, peut-être pas celui-là, mais dans l'idée, voilà, je verrais bien quelque chose d'un petit peu crade comme ça. Pourquoi pas essayer de le pitcher. Donc ça, pareil, oui, je voulais vous en parler. Super important, c'est que bah, quand un truc rentre pas, des fois, il suffit de le mettre à moins 12, de le mettre à plus 12, donc de le monter ou de descendre d'une octave, pour que bah, tout de suite, il arrive à percer dans le mix et à prendre sa place. Donc n'hésitez pas, souvent, en fonction des sons que vous choisissez, à essayer 0, moins 12, plus 12. Des fois, il y a des bonnes surprises, et ça permet justement de faire entrer les choses les unes avec les autres. Bon, là il va pas, mais bon, dans l'idée, je pense qu'il faut trouver un son comme ça. Ou synthétique ou acoustique, un peu cracra, quelque chose. Bon, je vais pas commencer à chercher les sons. Ouais, pas quelque chose comme ça. Mais bon, vous avez compris un peu le délire. Donc je pourrais chercher. Pourquoi pas? Est-ce que d'après vous, on la garde ou pas cette mélodie? Dites-moi, dites-moi. Tu dois bouger. Merci beaucoup. Merci Mike Barclay. C'est cool d'être resté jusqu'à si tard. D'ailleurs, je vais pas tarder à couper pour faire 1 heure et demie de toute façon. Donc dites-moi si on garde ou pas ça ou pas. Voilà un peu pour le principe. Je regarde ce que je. Ce que je vous ai pas dit. Donc pour résumer, il faut penser déjà en premier lieu pour cleaner à nommer et à ranger ses pistes, ensuite à virer sans aucune vergogne les pistes qui ne servent pas. Donc carrément on les supprime, celle-là ne sert pas, je la vire. À filtrer, donc avec des EQ, à filtrer surtout les graves mais aussi les aigus. N'oubliez pas de filtrer ça. Donc à cleaner son kick bass, très important, il faut qu'il soit très très clean. Là il l'est pas encore, hein. Il y a encore du travail dessus, mais c'était pour vous montrer déjà comment on commence à s'y prendre. Donc s'occuper kick bass clean. Ensuite,
Est-ce que j'arrive à changer de scène? Pour ça, ça n'a pas bugué aujourd'hui, c'est cool. Ensuite, donc, kick bass clean, faire un side chain donc sur son kick et sa basse, mais ne pas hésiter à en faire un qui est très, très chirurgical, très précis et très hard, on va dire. Quand c'est compliqué comme ça et qu'il y a beaucoup de monde, plutôt que de quelque chose, c'est pas grave si ça sonne moins naturel, mais ouais, faut pas hésiter à couper dans l'art. Ensuite, vérifiez bien tout ce qui est délai, tout ce qui est reverb, pour pas que ça baffe trop et que ce soit vaporeux et dégueulasse. Et puis cherchez aussi, ça c'est important, on l'a pas trop fait, mais cherchez les gros conflits d'EQ, parce que là, évidemment, il y a de l'EQ à faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas, ici par exemple et celui-là et celui-là, voilà, peut-être qu'il faudrait, enfin il faudrait pas peut-être, c'est sans doute même sûrement, il faudrait équaliser un peu plus dans les mids pour remonter les mids et l'autre baisser les mids, et voilà, de faire de l'EQ, vous savez, entre guillemets inversé, d'ailleurs ça Neutron sait bien le faire, pour faire de la place. Ça je l'ai pas fait parce qu'on, là pour le coup on rentre un petit peu dans le mix, mais malgré tout c'est quelque chose que je ferai avant de passer au mix, parce que je veux quand même vérifier que les trucs s'emboîtent avant d'aller les peaufiner au mix. Donc pour moi, c'est quand même une étape que j'irai faire, pas forcément ultra dans le détail, j'irai encore peaufiner ça plus tard au mix, mais je le ferai. Voilà un peu pour tout, en tout cas, moi, ce que je fais pour cleaner. Si jamais il y a des trucs que vous, eh bien, vous faites pour cleaner, ou des trucs que j'ai pas dit, ou des idées, n'hésitez pas à me les dire ici dans le chat ou en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. C'est à peu près tout. Aussi, pensez à ne pas tout mettre, ça je l'ai déjà dit, ne pas mettre tout votre VST, toute votre track, toute votre mélodie. C'est pas un concours et il n'y a rien à gagner. Et aussi bien penser à la place de chaque chose, quitte à même vous faire un dessin, vous prenez un papier, un crayon ou ce que vous voulez, et puis vous faites 20 Hz, 20 kHz, et vous dites, ok, mon piano il joue là, ma voix elle joue là, ma guitare elle joue là, et puis vous faites un schéma, et à un moment vous verrez qu'il n'y a plus de place, que bah, la basse elle est là, le piano elle est là, la voix elle est là, et puis bah, merde, je veux rajouter un truc, ah, bah, je peux plus le rentrer, j'ai plus de place. Donc ça peut être un exercice de faire ça, donc faites bien attention. Quand vous choisissez un son, le choisissez pas au hasard. Quand vous dites que je rajoute une mélodie, ok, pourquoi je rajoute une mélodie? Est-ce qu'elle manque? Et pourquoi elle manque? Et dans ce cas, si elle manque, dans quelle zone de fréquence elle manque? Pour pouvoir la placer. Donc voilà. Salut, t'as raté le début, comme d'hab, ça sera vite le replay. D'ailleurs, pourquoi on peut pas avoir le chat dans le replay? Si, normalement, dans le replay, tu peux activer le chat. De toute façon, ici, là, Putain, j'arrive pas. C'est là. C'est là. Je suis très mauvaise présentatrice météo, comme vous voyez ici. Donc là ici normalement le chat est replié puisqu'il est printé dans la vidéo. Mais normalement t'as une option sur Facebook pour pouvoir remettre le chat, je pense. Il me semble. Sebdan. Voilà, je vais vous faire écouter avant de se quitter ce qui a été envoyé par Sumoto Iki. Donc des drums acoustiques qui sont plutôt pas mal faits. Je lui ai demandé si c'était avec Addictive Drum, parce que ça me faisait penser à l'Addictive Drum qui marche super bien. Et oui, et je vous fais écouter. En tout cas, merci pour ton boulot, puisque tu as fait quelque chose d'assez complexe, puis ça sonne très bien. Par contre, bah, ça rejoint un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a trop de choses. C'est que je pense qu'on peut se permettre de faire des drums aussi riches et aussi complexes, on va dire, si la prod est un peu plus...
un petit peu plus dépouillé, ça pourrait très bien marcher dans un truc rock, c'est-à-dire voilà, avec batterie, deux guitares, un clavier et un chanteur, quoi. Là, il y a quand même beaucoup de choses et ça risque d'avoir du mal à rentrer, ne serait-ce que par, bah, par le groove qui est complexe et aussi par, par les fréquences qui sont déjà, bah, déjà très, très riches, quoi. Parce que le truc fait tang tang tang, c'est presque un kick. Enfin, tu vois, c'est un. Ouais, c'est que ça joue quand même dans le grave, quoi. Donc, l'idée est bien, en fait. Donc, peut-être, on en parlera sur le Discord. Peut-être si tu peux m'envoyer toutes les pistes séparées, que j'aille peut-être piocher des trucs dedans. En tout cas, l'idée est bien de mélanger de drums acoustiques avec de l'électronique. Et du coup, les drums acoustiques, de les crader un peu pour leur donner un côté un peu plus moderne et un peu plus urbain, on va dire. Mais je trouve ça bien. Puis ça peut donner un très bon groove. Là, l'idée du charlet, là, qui. Pourquoi pas? Parce que ça peut donner un côté vraiment, on en voit sur le refrain, un côté très rock aussi, et pourquoi pas? Mais peut-être qu'il va avoir du mal à rentrer. Mais en tout cas, bon, l'idée est bien, et t'as fait une belle proposition, mais dans l'état comme ça, je peux pas prendre la track, évidemment, comme ça. Il faudrait que j'aie tout séparé et que j'aille faire mon ménage dedans. Mais si tu peux me les envoyer facilement, c'est cool. Ensuite, donc la bassline de Joachim, on en a parlé. Et il y a Joe donc, qui m'a envoyé des drums aussi, qui sont assez cool, façon French Touch. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est qu'il m'a mis un kick, et comme il n'a pas envoyé les pistes séparées, du coup, j'ai filtré pour virer le kick. Alors là, le groove est sympa des hats. Et alors du coup, pourquoi pas, c'est marrant, le kick qui joue en 4-4 ici, donc là, s'entrechoque avec celui-là, et ça pourrait créer un groove. Je vous fais écouter juste les deux ensemble. Donc je trouve que dans l'état comme ça marche, mais encore une fois là il faudrait une prod qui soit plus dépouillée pour que ça rentre. Il faudrait vraiment quelque chose, voilà, ça pourrait être, je sais pas, je pense à des morceaux, ouais, des morceaux avec beaucoup moins de choses et plus des drums finalement, avec derrière des claviers ou des synthés qui soient très légers, des mélodies, quelque chose d'un peu plus, ouais, dans un sens urbain. Et là, comme il y a des nappes, il y a des trucs, ça, je pense que ça va avoir du mal à rentrer. Mais en tout cas, dans l'état comme ça, la boucle avec le kick, ça marche plutôt bien, je trouve, et ça donne un groove sympa. Donc à voir. Tu peux m'envoyer aussi, Joe, les pistes en séparé. Et en tout cas, le groove du charlet est pas mal, quoi. Si je mets la basse. Ça, c'est la base de Joachim. Voilà, voilà pour ça, donc merci. Et il y a Ethanel qui nous a envoyé une mélodie sur le refrain. Je vous fais écouter, et puis après, c'est bon. Hop, attendez, je la démarre.
Pourquoi pas? Là, le tout, c'est vraiment de trouver le son qui va marcher. Là, j'ai pris un son sur Omnisphere que j'ai trouvé qui marchait vraiment très très peu, mais voilà. Je sais pas, peut-être que la mélodie du refrain suit trop, peut-être les accords, et qu'il faudrait, je pense, peut-être plus une contre-mélodie. Donc à voir, mais je la mets de côté, à voir, mais moi je pense qu'il faudrait ouais, peut-être moins de notes, peut-être juste 2-3 notes qui jouent une mélodie, peut-être un gimmick qui va aller de temps en temps, qui serait un peu une contre-mélodie, mais pas forcément que le truc soit... Alors si je vous montre le... J'ai oublié de vous montrer, vous aurez pu me le dire quand même, qu'il n'y avait pas l'image de live. Je disais que... Ça devait être chiant du coup à regarder. Je disais que la mélodie qui est ici, voilà, je pense qu'elle joue trop souvent en fait. Il faudrait quelque chose de plus simple et qui revienne peut-être 2-3 fois pendant le refrain, mais c'est tout, voilà. Et je vous fais d'ailleurs juste écouter le refrain avant et après parce qu'on l'a pas écouté là avec Metric AB. Voilà, voilà, voilà. Bon, en 1h30 en parlant, c'est très compliqué de cleaner une prod, mais c'était pour vous donner vraiment des pistes et des voix et puis des techniques. Là, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup encore de boulot. Mais voilà. Mais du coup, c'est sur la bonne voie, en tout cas, je pense. Et dans l'état, voilà, ce qui manquerait, ça serait peut-être de trouver virer cette basse qui soit trop carré et avoir une basse plus groovy. Donc si quelqu'un veut s'y coller, pourquoi pas, sans faire un truc trop complexe non plus, parce que faut pas oublier que faut que ça rentre hein, aussi de manière au niveau du rythme, pas qu'au niveau du son. La mélodie, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas, est-ce qu'on la change aussi, peut-être qu'il faudrait l'adapter un tout petit peu pour qu'elle soit un tout petit peu moins cité d'or, pourquoi pas aussi. Le refrain, on a toujours pas ça qu'il faudrait que dans cet esprit, mais plus clean, enfin du moins qui range mieux. Voilà, là, c'est trop crade ce que j'ai fait, ça va pas. Mais je veux pas trop l'avancer non plus parce que j'aimerais bien vous laisser le faire. Et les drums, donc les drums, à voir si on arrive à changer mes drums un peu basiques ici que je vous fais écouter en quelque chose de plus acoustique et plus groovy. Voilà, c'est vraiment très très basique. Hein. Voilà. Voilà pour le principe. J'espère que ça vous a plu. Tu peux exporter juste le fichier MP3 pour que tu testes une mélodie. C'est-à-dire que j'exporte quoi, la track entière? Parce que tu les as récupérées, les pistes, Adrien, que j'ai envoyées sur le Dropbox. Alors, sur le Dropbox, sur le Discord. D'ailleurs, ceux qui me suivent et qui ne sont pas sur le Discord et qui veulent participer à la prod des abonnés, demandez-moi une invitation dans la description de la vidéo. Et je vous enverrai un lien pour nous rejoindre sur le Discord. Et il y a les liens pour télécharger tout ça. Je vous envoie aussi... je t'envoie le mix actuel. Et je vous envoie aussi également la piste de la voix, puisque vous ne l'avez pas. Parce que j'ai travaillé cette semaine, j'ai pas eu le temps de l'exporter. Donc, je vous envoie le piste de la voix. Il n'y a plus de place. Cool, tu vas aller au replay. Bah, tant mieux, tu me diras, mais l'osp musique. Bon, bah, en tout cas, merci à vous. Il n'y a pas eu de bug aujourd'hui, c'est formidable. Je vous souhaite une bonne continuation d'été. Et on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi. Et la semaine, je pense que la dernière semaine d'août, on finira avec un jam modulaire, histoire de fêter ça et de reprendre, enfin de finir l'été. Et la semaine prochaine, on verra, peut-être qu'on continue sur la prod des abonnés et qu'on avance et qu'on attaque le mix, on verra bien. Voilà, ou alors ce sera une 707 et voilà. Merci à tous, bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.